Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on fait ton interview concernant la méthode des CAPS. Aujourd'hui, on est le 11 août 2018 et on va faire ton interview par rapport. Alors, tu es arrivé à la deuxième session de la méthode des CAPS, si je ne dis pas d'erreur, c'était quel jour si tu te souviens? C'était le 15, si je ne dis pas d'erreur moi non plus. 15 juin. Ouais. 15 juin. 15 juin, effectivement. Donc, du coup, si on fait le point, ça fait à peu près un mois et demi, un petit peu plus, quasiment 2 mois, 1 mois et 3, 4 semaines, on va dire, et 3 semaines. Donc, du coup, aujourd'hui, ben, pour démarrer, on va te laisser un petit peu te présenter. Alors, très simple, dire ton âge, ce que tu fais dans la vie de tous les jours et globalement ta situation par rapport à multibancarisation. L'idée, elle est simple, c'est juste que les personnes qui nous regardent, ils savent un petit peu ben, s'ils peuvent s'identifier à toi parce que tu as ouvert tel ou tel compte, juste ta situation. Mais là, on va dire ta situation même au moment où tu es arrivé dans des CAPS, c'est-à-dire même pas aujourd'hui. C'est justement quand tu étais avant des CAPS, qu'est-ce que tu avais ouvert comme compte, où tu en étais globalement, mais en une phrase. Allez, on t'écoute. D'accord. Alors, je suis Marie-Hélène, j'ai 24 ans, je suis étudiante à Rennes 2 et en parallèle, je suis plutôt et je travaille en intérim. Ah, attention, on a mal entendu en parallèle. Par contre, juste avant tes études, c'est dans quoi, par exemple? Je suis étudiante en russe. Super, super. Ah bah tiens, moi qui suis en Pologne ici, il y a pas mal. Super. Ok. Et puis, donc, tu disais, tu faisais de l'intérim aussi à côté? Oui. Cuistot le week-end et en semaine je suis en intérim. Ok, cuistot. Et en intérim. Donc, effectivement, tu enchaînes. Donc, tu fais tes études et en plus, tu bosses pas mal à côté. Donc, tu es une personne qui n'arrête pas. C'est ce qu'on était en train de dire encore cette nuit. Tu étais en train de te former sur la méthode des CAPS. Ouais. C'est vrai que tu es à fond. Ok, super. Alors, quand tu as démarré la méthode des CAPS, c'était quoi ta situation? T'écoute. J'avais ouvert aucun compte. J'avais déjà entendu parler, pas de la multibancarisation, mais de tout ce qui est un peu prime de parrainage que les banques donnaient, en fait. Avec Boursorama, on m'avait envoyé un lien pour que je l'ouvre, que je bénéficie de la prime, mais sans suivi, en fait. On m'a donné un lien, on m'a dit, il y a un lien et démerde après. Étant très sceptique, en tout cas, je ne vous cache pas, j'ai rien fait. Rien du tout. J'ai rien fait. En cherchant des astuces sur Internet sur comment arrondir les fins de mois. Je suis tombée sur notamment ta vidéo à toi où tu parlais de la formation. Voilà. D'accord. Le hasard, quoi. Donc finalement, tu avais eu l'information, mais tu ne l'avais pas pris au sérieux parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui te disait, qui disait rien qui vaille. Et quand moi, j'ai lancé, enfin, tu as refait des recherches par toi-même, donc tu avais un besoin qui était important. Finalement, la première fois, on t'a transmis une information, mais tu n'avais pas forcément le besoin là-dessus. Ce n'est même pas toi qui allais chercher l'information. Et la deuxième fois, c'est toi qui vas chercher l'information parce que tu avais réellement un besoin de finir tes fins de mois comme ça. Et là, tu es tombé sur la vidéo où je présentais en fait la formation. C'est ça, oui, mais après la première fois, lorsqu'on m'a parlé, en fait, on m'a juste donné l'information sans m'en dire plus. On me dit voici un lien, tu te démerdes quoi. Si tu veux percevoir les 80 euros, tu t'inscris et tu te démerdes toute seule après quoi. C'est pas très important D'accord. Oui, quoi. effectivement, ta première approche, c'était quand même assez sceptique et en même temps, pas beaucoup mais de confiance parce que la personne, pas beaucoup de soutien, d'accompagnement. Donc, c'était ton premier ressenti par rapport à tout cela. Et ça, c'était avant la méthode des CAPS. Ok. C'est Alors, c'est super intéressant quand même que tu dises ça parce que c'est assez rare justement qu'on a ce type de situation où les personnes nous le disent parce qu'en fait c'est énormément, je dirais quelque chose de courant qui se passe sur Internet mais les personnes n'en parlent jamais à mon sens parce que je vois quand même beaucoup de personnes justement, les personnes qui sont dans ton cas, eh bien ne vont pas plus loin. Et du coup, on ne peut pas savoir parce qu'elles ne viennent pas s'exprimer comme toi tu es en train de le faire. Et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas où justement, bah, il y a des personnes sur Internet qui ne sont pas du tout professionnelles, qui vont balancer les informations et qui finalement vont bah, tout détruire parce que par leur manque de professionnalisme, par rapport à tout cela, manque d'accompagnement, manque d'informations techniques. Et c'est là que c'est très dommage. Donc c'est super parce que finalement, tu représentes l'ensemble de toutes ces personnes qui en général restent sous silence et que toi, tu vas leur montrer que finalement, bah, tu as été plus loin que cette étape-là et que tu as vu ce qui se passait derrière. Super, super.
Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que justement, on va enchaîner sur une question qui est le même principe, la suite de ce qu'on est en train de dire, c'est comment as-tu connu la méthode Decaps? Donc finalement, tu viens déjà de le dire, et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? Alors, on va faire un petit peu en deux étapes. C'est-à-dire, comment on a parlé de la multibancarisation, on va parler de la multibancarisation et de la méthode Decaps, parce que dans ton cas à toi, les deux sont liés, puisque tu as découvert, je dirais, la multibancarisation avec la méthode Decaps. Alors finalement, quand tu l'as connu, donc au démarrage, tu nous as dit ce que tu pensais de la multibancarisation. Effectivement, tu avais des craintes, il n'y avait pas, je dirais, de professionnalisme derrière. Tu pensais finalement que c'était pas quelque chose de sérieux. Donc voilà. Donc finalement, on va poser la première question par rapport à multibancarisation. À quoi t'attendais-tu par rapport à multibancarisation quand on en a parlé la première fois? C'est-à-dire, est-ce que tu te disais, ouais, il y a des choses derrière, mais je ne suis pas sûr justement par rapport à ton expérience. La multibancarisation, là, je ne parle pas encore de la méthode des CAPS, mais les banques en ligne. Tu te disais quoi par rapport à cette première expérience que tu avais eue? J'étais pas du tout confiante en fait. Je suis quelqu'un de très sceptique du moment que j'ai pas de preuve devant moi, ça fonctionne pas en fait. Mais moi j'ai connu plus ou moins, comme tu viens de le dire, les deux en même temps. Moi j'ai vu ta vidéo où tu parlais de la formation, donc j'ai à peine été regarder, voir ce que ça donnait, et puis je me suis dit, on va essayer de se former cette fois-ci pour voir réellement ce qu'il y a derrière, quoi. Être un peu plus pro, Donc quoi. finalement, l'idée c'est que la méthode des CAPS t'a permis de dépasser cette crainte du manque de crédibilité d'un côté, et en te disant, ben, tant qu'à faire, là ça a l'air pro, ça a l'air propre par rapport à cette méthode, les personnes qui le font, bon, ben, ils ont l'air de bien faire multibancarisation et ça a bien marché pour eux, donc si je fais les choses, je les fais bien ou je ne les fais pas, et d'un côté tu te lances dans la multibancarisation avec la méthode des CAPS. Voilà, dans des bonnes conditions. Ok, et finalement, à ce moment-là, tu as fait une pierre deux coups, puisque en ouvrant les comptes bancaires, tu as généré cet argent qui t'a finalement rentabilisé, amorti totalement cette formation. Donc là, finalement, tu en es où par rapport à l'ouverture de tes comptes à l'heure actuelle, par exemple? À l'heure actuelle, en fait, j'ai ouvert Fortuneo. Boursorama, c'est en pleine ouverture, j'ai fait le dépôt, il y a eu un petit retard. Et ING, c'est en pleine ouverture, mais comme ils ont eu pas mal de petits problèmes informatiques, donc c'est un peu plus long, mais normalement, je devrais recevoir ma carte. Et l'Auban, tu as vu qu'on avait trouvé une solution, justement, toi qui es étudiante, peut-être que justement au niveau salaire, ce n'est pas évident. On a trouvé une solution qu'on a donnée bien évidemment avec les personnes de la méthode des CAPS, du coup, qui va te permettre d'ouvrir l'Auban juste avec un dépôt de 20 euros. Alors, c'est bien particulier. On a bien cherché, je dirais, pour avoir cette information, parce que ça fait un petit moment qu'on cherche comment on fait pour tac, tac, tac. C'est un petit peu aussi le but. Ça qui est super dans la méthode des CAPS, c'est que tout évolue et qu'on est toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles formules, des nouvelles solutions pour aider tout le monde. Donc du coup là aujourd'hui avec Fortuneo, tu as fait donc le compte titre, le compte bourse. Donc aujourd'hui, tu as généré les premiers 80 et tu attends les 70, c'est ça l'idée? C'est ça. Ok. Et Donc du coup, tu as 80, tu vas avoir 70 de mieux, 150 euros. Boursorama, tu vas avoir les 50, c'est ça? non, les 80. Tu vas avoir les Je vais 80, juste parler, super. D'accord. Donc si tu as les 80, finalement, tu n'as même pas besoin de l'astuce de Hello Bank. non, du tout. Non, j'attends que la promotion passe à 80 à Ah partir oui. du 25. Donc, c'est pour ça. Effectivement, parce qu'il y a une période où là, ça fait 3 ans que ça dure, que normalement, il y avait 80. Et là, exceptionnellement, pendant les vacances, à mon avis, c'est une période creuse. Ils sont repassés à 50 pour l'instant. Mais dans tous les cas, donc là, ça te fait 150 plus 80, 230 euros. Après, tu vas avoir effectivement Hello Bank là, qui va revenir 80. Donc 230 plus 80, tu vas être à, que je te dise pas de bêtises, 150 plus 80, 230, 230 plus 80, 310, 310 euros. Et ta ING, moi, comme je le conseille, mais après tu fais comme tu le ressens, c'est tout simplement de laisser 60 euros sur les 80 qui va te payer la première année et tu récupères 20 euros dessus. Tu as une carte Gold pendant un an gratuite dans le sens où tu ne payes pas de frais. Donc du coup, là, 310 plus 20, tu es à 330 euros avec une carte Gold pendant un an. Et du coup, la formation, effectivement, a été largement rentabilisée. Totalement rentabilisé. Ouais. Il n'y a pas du tout eu de crainte, il n'y a pas de comparaison là-dessus. C'est plus que ce que j'ai payé pour la formation, donc oui.
Donc finalement, tu démarres avec même des bénéfices financiers et des bénéfices finalement de compétences que tu es en train d'acquérir, puisqu'en plus, on va en parler après, mais la formation va même bien au-delà, puisque là, on parlait en coulisses, en off, que tu commençais également à faire des exercices sur la confiance, et la confiance qui de toutes les façons va, comment je peux dire ça, déteindre sur n'importe quelle activité, puisque une fois qu'on apprend à avoir confiance en transmettant une activité ou une autre, c'est la même chose pour tout, et une fois qu'on a un succès pour un, ben en fait on se dit, mais si j'ai un succès pour un, je peux l'avoir pour les autres. Donc c'est simplement une question de continuer sur la même voie. C'est un petit peu ça d'ailleurs ce qu'on essaye de faire avec ce qu'il faut comprendre avec la méthode des caps, c'est partager bise, c'est que le but premier, c'est d'aider les personnes à avoir un premier succès pour leur permettre d'avoir une confiance en elles, pour se dire, mais en fait moi je suis capable de réussir. Et à partir du moment que la personne commence à avoir un premier succès en se disant, bah si j'en ai fait un, je peux en faire deux, ainsi de suite. Finalement, c'est un premier succès par rapport à ces gains financiers de départ qui peut y réaliser nos projets, nos rêves et nos désirs aussi, mais également qui peut nous aider à accomplir nos envies personnelles, nos passions, nous accomplir à faire quelque chose qu'on aime dans sa vie. Et c'est là que ça va bien au-delà finalement de simplement une formation juste avec des gains ponctuels d'argent. Non, ça va bien, bien au-delà. Ah oui, c'est clair. C'est clair, je vais pas. Peut-être que les questions vont venir plus tard, mais je ne m'y attendais pas en fait. La surprise était de taille. J'ai presque envie de dire la surprise était de taille. On t'écoute, vas-y. Qu'est-ce que c'est que justement qui t'a surpris quand tu l'as découvert? C'est-à-dire tu te dis, waouh, ça, je ne sais pas où je suis, mais là, c'est un truc. Il y a un truc qui se passe. Alors, dis-nous un petit peu justement, comment tu l'as vécu tout cela? J'étais déjà énormément surprise, je m'attendais à quelque chose de tout petit en lien exclusivement avec les banques en ligne, mais en recevant la formation, en faisant les exercices, mais je vois que ça va au-delà de l'initiative d'organisation, ça touche un peu tous les niveaux de l'humain en fait, que ça soit du pro, que ça soit dans la vie personnelle, que ça soit dans le développement de soi, la confiance. Et honnêtement, j'étais hyper surprise et je suis vraiment contente d'être tombée là-dessus à ce moment-là, quoi. Vraiment j'en avais besoin. Donc, ouais, par contre. Super, super t'entendre dire tout cela. Donc, du coup, par rapport à toute cette surprise, aujourd'hui, donc si on a fait le résumé de ce qu'on vient de dire, tu as découvert des choses où tu étais bien au-delà, bien surprise par rapport à tout ce que ça t'a apporté. Financièrement, tu as largement rentabilisé la formation avec tes ouvertures de compte et ça t'a finalement complètement enlevé tes idées où c'était pas crédible, puisque tu t'es trouvé avec des personnes qui étaient extrêmement crédibles et qui avaient des preuves, des gains et qui s'y connaissaient très bien, comme moi ou toutes les personnes aussi dans l'équipe. Et finalement, tout cela, ce n'était que ça a été une futilité finalement, après de te dire, bah, en fait, tout ça, c'est juste la première personne n'était pas sérieuse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pas une, il y a une personne qui n'est pas sérieuse que tout le monde n'est pas sérieux et qui en a. Totalement. Oui, totalement. C'est juste que la personne sur qui je suis tombée n'était pas du tout pro, en fait. N'avait pas suivi la formation des CAPS ou c'est vraiment un long processus, on fait les choses bien ou on ne les fait pas, comme on le dit. Non, l'information a été juste lancée comme ça, abandonnée en pleine jungle, des merdes, c'est tout. Finalement, j'ai une question à te poser. Tu es arrivé et effectivement, du coup, c'est Marilyn qui s'est occupée de toi. Alors justement, donne-nous très de manière brute ton ressenti entre comment une personne lambda t'a présenté justement la Boursorama et comment Marilyn, je dirais, t'a emmené la situation. Quel était ton ressenti justement par rapport à avant et après, par rapport à comment ça s'est passé? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Vraiment pas de comparaison. Avec Marilyn, ce n'est même pas que du pro en fait. C'est un lien qui s'est créé où c'est une personne qui est très à l'écoute, qui va t'accorder le temps nécessaire pour des personnes qui sont lentes à la compréhension ou lentes à la détente. Elle va vraiment te détailler les choses ligne par ligne. Besoin, prendre le temps. Non, il n'y a pas de comparaison en fait. Non, il y a du suivi avec ma ligne. Tu as un problème, tu poses ta question. Si elle n'est pas dispo de suite, elle te répond. Donc, c'est plus que du pro. En fait, c'est une combinaison. Il y a du pro et il y a de l'humain en fait. C'est pas juste, oui, je suis là pour le pro. Non, non, c'est vraiment cette association qui est magnifique avec Marie et avec les autres parents aussi. C'est top ce que tu veux dire, parce que tu viens de résumer en deux mots la méthode des CAPS que Marine représente entièrement. C'est la méthode des CAPS, c'est du pro
et avant tout de l'humain. C'est-à-dire qu'on est à la fois avec des outils professionnels et à la fois on reste soi-même. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo ce matin que tu pourras regarder qui était assez marrante, où justement à l'intérieur, on explique que ben, nous, on présente l'activité en 5 minutes avec des outils, des vidéos, etc. Et qu'à la fois, on reste soi-même parce que même si on n'a pas les informations, ben, c'est normal parce qu'on est humain. Et du coup, en fait, pas de stress. Et c'est super cool parce qu'on prend tout, on compte et on reste simple et à la fois, on est pro. Et ça, c'est le top. Et c'est finalement ce qu'on a souhaité faire justement par rapport à méthode des caps. Parce que quand on joue un rôle, ça ne marche jamais. Mais quand on reste soi-même, ben, ça fonctionne puisque c'est vrai, c'est nous-mêmes. On peut pas, on peut pas mentir à nous-mêmes quand on dit simplement ce qu'on pense, ce qu'on sait. Et après, on dit, bah ouais, c'est normal, je sais des choses, mais je ne sais pas tout. Et toi, tu connais tout. Non, bon, ben, écoute, on va chercher ensemble. Parce que voilà, on a ce lien qui se crée, comme tu dis. Et puis après, les choses se font naturellement. Super. Alors maintenant, du coup, tu l'as dit un petit peu, à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté, c'est par exemple la méthode des caps, que justement tu t'attendais à quelque chose qui était que par rapport à multi-mancaration, quelque chose finalement de petit, hein, tu as dit un petit peu, quelque chose qui était simplement préfet, boum, on le met et puis terminé, et finalement que ça a été complètement au-delà de tout cela. Ok. Alors maintenant, on passe à la question après, c'est qu'est-ce que des caps t'a changé dans ta façon de voir les choses, par exemple, la façon dont tu avais ton point de vue de la recommandation auparavant en te disant il faut trouver des personnes, mais je ne vais pas avoir personne autour de moi, comment je vais faire. Justement, en général, il y a beaucoup de personnes qui ont ces craintes en se disant mais moi tout ça là, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi, je sais pas comment faire, etc. Est-ce que justement, comment ça t'a fait évoluer psychologiquement de voir justement ben, la méthode des CAPS, mais effectivement aussi toutes les personnes dans l'équipe, comment elles se débrouillaient? Comment ça t'a fait évoluer ta vision de la recommandation? Effectivement, est-ce que tu as vu, je dirais, une évolution de te dire avant c'était lourd, c'était difficile, c'était compliqué, et finalement, avec justement cette méthode, ces vagues d'énergie, les personnes justement qui font des vidéos de temps en temps, et puis tiens, il y a des personnes qui arrivent, etc. Est-ce que ça t'a changé ta perception justement de ce côté lourd d'un côté, et l'autre côté finalement en faisant des actions bien ciblées et pertinentes, de te dire, ben, en fait, c'est possible, c'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus léger que ce qu'on pouvait imaginer. C'est ça l'idée. Oui, ma vision est totalement différente actuellement parce que à l'époque, lorsque je pensais à recommandation, même lorsque j'ai commencé, je me suis inscrite à la formation, je me suis dit que ça va être du style un peu commercial où il faudrait vraiment aller chercher les gens pour dire oui, moi j'ai la solution, j'ai trouvé ça, ce que je dis est vrai, enfin, j'ai raison, quoi, je ne sais pas comment je pourrais dire que voilà, viens à moi parce que j'ai ça, je te fais gagner des sous pour que tu me crois, en fait, vraiment cette petite notion d'obligation, alors qu'avec la méthode des GAPS, non. Comme tu l'as dit, on pose une graine, on y verse, je ne sais pas, on l'arrose un tout petit peu, et avec un peu de soleil, bah, voilà, elle fleurit. Et puis, non, là, c'est totalement différent. On fait une bonne action, et puis avec la magie, ou je ne sais pas comment dire, les choses viennent à vous, quoi. C'est comme si notre plante arrivait à nous et on pousse. C'est vrai, comme tu l'as dit, j'adore. C'est on plante sa graine, on l'arrose, il y a du soleil, il y a des fleurs qui poussent, on est content, on est heureux, on montre tout ça et on a d'autres fleurs qui commencent à venir autour et à dire hey, tu vas bien toi, moi aussi comme toi, et tu m'expliques ton truc. Et finalement, c'est ça qui est super parce qu'au final, on n'est pas à aller chercher les personnes et à se poser des questions, à se trotter dans la tête, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, en fait, on est centré sur ce qu'on fait, en le faisant de manière sincère, professionnelle et simple. Et en fait, on laisse les personnes venir à nous. Et ça, c'est un bonheur parce que c'est ce que je disais dans la petite vidéo ce matin, c'est qu'au lieu de se dire qu'est-ce qui va se passer, la personne, etc., en fait, on n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. On répond juste à des questions des personnes qui ont des besoins. Et quand elles se posent des questions et qu'elles ont des besoins et qu'on leur répond, ça change toute la donne parce qu'en fait, elles sont heureuses qu'on leur réponde à leurs questions personnelles. Et en fait, il n'y a aucune animosité, aucun lien de stress, de quoi que ce soit. En fait, on se dit, waouh, on est juste là en train d'aider. C'est ça. On arrive au bon moment. Comme les autres sont arrivés au bon moment pour nous. Bien.
On continue. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des caps? C'est-à-dire, est-ce que tu as des idées au niveau de ce que tu voudrais te faire plaisir, ou est-ce que tu as des projets, des rêves, que justement maintenant avec la méthode des caps, tu te dis, bah, effectivement, maintenant que les choses sont plus stables psychologiquement, ou tu te dis financièrement, il y a tant qui peut arriver, autour de moi, il y a ces personnes qui en sont là, moi j'en suis là, je sais que je peux atteindre ce palier-là. Et ça va me permettre de faire ces projets-là. Est-ce que justement, tu as commencé à structurer un petit peu tes idées, tes envies? Oui, je me suis fait… Enfin, je ne vais pas trop parler de la formation pour que les autres aient aussi la chance de découvrir par eux-mêmes, mais je me suis fait un tableau de visualisation. Et vraiment, j'y croyais pas du tout. Enfin, avant, j'avais déjà entendu parler. Mais en le faisant, je n'ai pas dit que je vais essayer, je vais appliquer. Et en visualisant un projet pendant une semaine, j'ai réussi à le faire en 4 heures. Sachant que ça fait 24 ans que je n'ai jamais fait. Et en 4 heures, j'ai réussi à le faire. Donc lorsque je me dis, je vais appliquer ça pour tout, ça fonctionne, ça marche. Donc je suis plutôt contente. Donc oui, j'ai des objectifs grâce à la méthode des caps, à mon évolution personnelle. Je m'en suis fixée. C'est magnifique, c'est ce que tu es en train de dire. C'est magnifique. C'est waouh, ça en met plein la vue là. Ah, c'est vrai, en plus, c'est ça le pire. Je vends pas du rêve, je dis juste ce qui m'est arrivé, donc c'est totalement vrai. Tu l'as ton tableau avec toi? Oui, mais il est pas du tout. Je l'ai pas du tout collé encore, c'est pour ça. Tu peux nous en montrer un bout comme ça? Ah oui. Ça va être super. C'est du direct. Ah, extra. Extra, extra. Il ressemble à ça, mon tableau ? Ouais, il y a de quoi faire. Ah ouais, ouais. Alors juste penche un tout petit peu sans que ça tombe. Juste penche un petit peu. Ah d'accord. Ah ouais, c'est super, t'as fait du collage et tout. Waouh. Ah ben là, tu dois kiffer quand tu fais ça en plus. Ah, mais clairement, oui, ça motive vachement. Ah, j'adore, j'adore. Et ah, oui. L'activité, c'était ça. Je ne sais pas faire de vélo. Enfin, je ne savais pas faire de vélo, ça fait 24 ans. Que je ne pouvais pas monter sur un vélo. Ceux qui me connaissent sont en connaissance. Je ne pouvais pas monter sur un vélo. Et pendant une semaine, j'ai visualisé ce vélo sur mon tableau et j'ai pris un prof pour pouvoir faire le cours. Il a duré 4 heures. À la fin du cours, je pédalais comme une personne qui pédalait depuis 3-4 ans. Quoi. Extra. Mais vraiment, quand je pense à ça, je fais… C'est magnifique. C'est hallucinant, quoi. Donc, je ne sais pas quoi dire. Ah, ben gratitude. Il n'y a rien à dire. Gratitude. Ah, c'est top. En plus, il est super ton tableau, parce que moi je me mets un peu partout, mais alors le collège, en fait c'est super marrant parce qu'on a l'impression de revenir quand on était en maternelle, on faisait tout ça, mais on a perdu tout ça, on a perdu comment je pourrais dire ça, ces sensations de juste être dans le plaisir pendant quelques minutes de faire des choses qu'on aime, et c'est dommage parce que finalement on est toujours en train de courir, mais on prend pas ces plaisirs là qui sont juste en face de nous, on court et on se fait pas plaisir. C'est top, c'est top. On continue. Alors, et maintenant, tu vas devenir plus. Alors, comment tu ressens justement ce côté à la fois digital marketer, ce côté à la fois justement mais travailler sur Internet, est-ce que justement tu ressens un cap que tu passes en te disant, ben maintenant, je suis capable de faire des choses que je me disais que au-delà justement encore là des rêves et des projets, mais au niveau de plutôt le statut, te dire, ben ouais, maintenant, je rentre dans… Également, j'ai une deuxième activité qui me permet également de travailler sur Internet et je passe encore un stade que je n'aurais pas imaginé auparavant. Est-ce que justement tu as des choses qui ont progressé par rapport à ça dans ta vie ? Ouais. Je parlerai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de la confiance en soi. Parce que je doute assez souvent, je me remets vachement en question, donc ça affaiblit certaines notions. Mais oui, cette formation était, je pourrais dire, vraiment la pluie qu'il fallait sur un terrain aride. Vraiment pour que tout germe en même temps d'un coup comme ça. Donc c'est vraiment avec la confiance en soi, je me dis que tout est possible en fait. Que j'ai pas besoin de gravir une montagne, moi je la transperce, là c'est fini, j'ai plus le tour, là je passe au travers maintenant. Donc c'est fou. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, ce statut de digital marketer, d'ailleurs, tu l'as noté, j'en suis très content et très fier parce qu'il y a justement pas mal d'élèves encore qui ont besoin de passer ce stade-là et de le comprendre. Il faut accepter de l'afficher et tu l'as mis justement sur Facebook. Alors justement, comment
Question, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi finalement qui ont changé d'attitude par rapport à ton changement d'attitude, que tu as accepté justement de mettre ces choses en avant et de les identifier, de leur donner un nom à ce statut, etc. Est-ce que justement tu as vu un changement par rapport aux personnes autour de toi à qui tu leur en parlais peut-être avant et quand tu leur en as parlé après comment ça se passe? Est-ce que tu as eu un exemple par exemple à nous donner? Oui, j'ai quelques personnes en fait qui sont encore sceptiques lorsque j'en ai parlé avant de terminer ma formation. J'ai dit oui, je vais commencer une activité, je commence une activité, mais à la fin de ma formation, je serai ceci, je serai cela. Des personnes qui me disaient oui, en effet, tout ce qui est sur Internet, c'est de l'arnaque, dès que tu auras toi tes résultats, dès que pour toi, ça commencera vraiment à fonctionner, tu reviens vers moi, je dis c'est pas de problème, moi je finis ma formation, je suis digital marketer, si ça t'intéresse, tu reviens vers moi. Donc, il y a des sceptiques partout. Tant qu'on ne voit pas de résultats, en général, les gens n'y croient pas, en fait. Donc, on est le premier exemple de la formation pour dire oui, en effet, il y a ça, ça existe, c'est pas de l'arnaque. C'est vrai qu'il y a un peu de l'arnaque sur Internet, il y a un peu de tout partout. Mais si pour moi, ça a fonctionné, pourquoi pas pour toi? Je te laisse le temps que tu veux, mais pourquoi pas pour toi? Pourquoi pas? Ce qui est super, c'est que tu es la personne la mieux placée pour les comprendre. Ouais. Parce que d'un côté, on se dit souvent, enfin on ne se le dit pas, mais c'est quelque chose de très important que justement on passe à côté. Plus on va passer en bas, enfin par le bas justement, cette période où justement tu as eu une personne qui ne s'est pas occupée de toi et justement ce n'était pas crédible pour toi, et plus tu vas être capable de leur dire à ces personnes, mais je te comprends, mais tu peux même pas imaginer à quel point je te comprends, parce que je suis passé par là, et moi, mon expérience, ça, ça et ça. Et alors là, franchement, tu sais quoi, je peux pas te dire mieux, c'est sûr, c'est normal que tu comprends, enfin, que tu réagisses comme ça. Il n'y a aucun, je veux dire, enfin, tout est normal de ton côté. Moi, si tu veux, je te raconte juste mon histoire, c'est ça qui s'est passé, et moi, je suis super content. Après, voilà, quand tu es prêt, il n'y a pas de souci, je serai là, mais voilà. Et ça, c'est super, parce que beaucoup de personnes... C'est l'exercice numéro 7, justement, être bien dans la perfection, cache un petit peu justement ses échecs. Et parce que c'est un échec à ce moment-là, à ce moment T, parce qu'en fait, si jamais tu avais arrêté à ce moment-là, c'était un échec. C'est devenu une expérience parce que justement, tu l'as transpercé, comme tu le dis, et que du coup, tu en as fait quelque chose où tu as pu jumper. Et ce qui est super important finalement, c'est que beaucoup de personnes cachent leurs échecs alors qu'ils feraient beaucoup mieux de partager leur expérience, c'est-à-dire à quel moment ils ont eu un échec, qui leur a fait comprendre qu'il y avait quelque chose derrière. Et ça, c'est extra. Donc là, toi, ça va être super simple de dire à ces personnes, mais alors, là, moi, ce que tu dis, mais alors, ok, à 200%. Et là, les personnes, tu vas créer quelque chose qui est super important et qu'on explique dans la méthode des CAPS, tu vas créer le lien de confiance. Parce que tu vas dire ce que tu as vécu, ce qui est totalement la réalité, la vérité, enfin ta vérité à toi que tu as vécu. Donc, tu ne vas même pas réfléchir quand tu dis les choses. Tu racontes juste ton histoire. C'est ultra simple. Et tu dis à la personne, je t'entends, je t'écoute, je te comprends. Donc, l'écoute active, c'est-à-dire que tu te mets à sa place. Et la personne se dit, ok, elle me comprend. Et à partir de là, elle va se sentir bien parce qu'elle va se dire, bah, je ne me sens pas toute seule, je ne me sens pas un spécimen que personne ne comprend, connaît, etc. Elle est comme moi la personne et elle est passée par là et aujourd'hui, elle en est là. Alors, comme tu l'as si bien dit, pourquoi elle et pourquoi pas moi finalement? Et tu leur permets de planter une graine à eux aussi et après de la laisser germer. Et ça, c'est super intéressant parce que comme tu as dit tout à l'heure, toi, tu leur plantes une graine de leur côté en disant « Regarde, je te plante une petite graine, toi aussi, c'est possible. » Parce que moi, regarde la petite graine, elle était pareille que toi et elle a poussé. Et moi, je suis une belle plante et là, je me sens super bien. Alors, quand tu es prête, pas de souci, je te montre comment faire pour arroser ta plante. Et finalement, là, à ce moment-là, toi, tu continues et la petite plante à côté, elle va te regarder, elle va t'admirer, elle va se dire ouais. « Moi aussi !» Ça c'est top et puis c'est top de pouvoir aider et c'est vrai que c'est extra tout ça. Bon, alors du coup effectivement tu as ce changement de cette belle plante finalement que tu deviens aujourd'hui au travers de toutes ces expériences que tu es en train de vivre et puis ben, en tout cas j'en suis super heureux de l'entendre. Allez, on termine sur deux dernières questions. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? Bon, cette question, en général, je la pose différemment parce que c'est simplement. Aujourd'hui, est-ce que justement, tu partagerais la méthode des CAPS autour de toi? Et
Pourquoi? Alors justement, dis-nous, allez, en deux, trois mots, les points les plus importants pour toi. Et une chose qui est extrêmement importante, essaye de faire le point entre, comment je pourrais dire ça, le début et la fin. Pourquoi? Parce que la fin, on est souvent, comme tu l'as dit, ça va bien plus loin, bien sûr, la multibancarisation, justement, avec la méthode des caps, c'est tout ce qu'on a derrière et tout ce qu'on apprend. Mais on oublie souvent de faire la connexion première qu'on a eue à la base. Et sans cette connexion, on se déconnecte des personnes qui sont toujours au stade où on en était au démarrage. Donc finalement, la méthode des caps, au démarrage, t'as apporté quoi? Au milieu, tu as apporté quoi? Et à la fin, tu as apporté quoi? Un petit peu, si tu avais une évolution en trois mots, quels sont, là, la première fois, justement, ça t'a permis, peut-être au niveau de la multibancarisation, de débloquer la multibancarisation. Alors, est-ce que tu as un mot, justement, que la méthode des caps t'a apporté, par exemple, à ce moment-là? Simplement de te rassurer, le côté professionnel, de te dire, OK, la multibancarisation, ça peut être pro. Parce que justement, la méthode des caps montre le côté professionnel et t'a rassuré par rapport à toute cette crédibilité. Ouais, je dirais plus comme ça, oui, en effet, oui. Le professionnalisme, en fait, ce côté vraiment pro, oui, de la formation, quoi. Ce n'est pas une formation lambda ou non, c'est le côté pro de la formation. Ouais. Le côté carré, finalement, de Marilyn aussi, qu'elle t'a apporté au démarrage avec le côté humain. Et là, le côté humain, je pense que c'est aussi peut-être au milieu que tu as découvert, parce qu'on n'en a pas parlé et beaucoup de personnes en parlent, parce que c'est vraiment un point que je suis en train, moi-même, je dirais, de mûrir au fur et à mesure que je vois justement toute cette belle équipe se créer et puis progresser. Est-ce que justement, au milieu de tout cela, de toutes ces belles expériences que tu vis et ces compétences que tu acquiers, est-ce que tu as aussi découvert quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas? C'est justement le côté humain de toute cette énergie de cette équipe. Ouais, c'est la force de la communauté, je dirais. C'est vraiment lorsque on débute, on a des moments de doute. Ça, c'est totalement normal de douter. C'est juste de pouvoir puiser des énergies ou des ondes positives dans celles des autres, en fait. C'est une grande communauté, on ne s'y attend vraiment pas, mais elle est juste immense par sa chaleur, déjà, et par sa joie, déjà. Ça, c'est super. Quand j'ai débuté, j'étais toujours sceptique. Au début, j'étais hyper sceptique. J'arrêtais pas de poser des questions. Oui, ça se passe comment? C'est comment ici? Après, c'était pas du genre... Où on te pointait du doigt pour dire oui, toi tu fais mal ou autre. Non, non, je te comprenais vraiment pour te dire qu'on est passé par là, c'est normal. Tu as des doutes, finis la formation, finis de regarder ceci, regarde ceci, tu vas progresser au fur et à mesure, à ton rythme. Ne te presse pas parce que certains ils sont là, je ne sais pas combien de temps. Toi tu viens de commencer, tu vas à ton rythme, mais bien. C'est vraiment ce qui était vraiment le point fort, je dirais, du milieu. C'est top. Et en plus, aujourd'hui, si tu fais ton interview, ce n'est pas pour rien. C'est que justement, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et tout vient à point qui s'attend et ça éclot. Et il n'y a pas de hasard. Si on fait l'interview aujourd'hui, c'est que tout devait arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Et pour terminer, finalement, le dernier point de ce que ça a pu t'apporter sur du long terme, c'est un petit peu toutes ces expériences auxquelles tu ne t'y attendais pas du tout, de la profondeur finalement de la formation. Le dépassement de soi, moi, je dirais. Ouais, le dépassement de soi, qu'avec la formation, que l'on puisse arriver à un point où on se dit si je peux faire ça, c'est que je peux tout faire. Et que je n'ai plus du tout de frontières devant moi, je peux tout faire. Vraiment, si on la suit convenablement, correctement, ça peut prendre le temps, ça prendra. Mais lorsqu'on la suit vraiment, on se dit je peux tout faire. L'impossible n'est pas pour moi en fait. Hein. C'est fini l'impossible. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique parce que tu es en train de transmettre quelque chose qui est gigantesque. Parce que pas plus tard qu'hier encore, je discutais avec une personne. Et en fait, aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire comprendre aux personnes qu'il y a un monde traditionnel dans lequel on nous a mis, un système traditionnel dans lequel on nous a tout. Je ne sais pas comment on pourrait dire, parachuté, et qu'on est tombé dedans, et qu'on se dit que tout est comme ça, est bloqué, et que le jour où en fait on se rend compte qu'on est capable de créer son propre monde, parce que c'est justement ça l'idée, c'est de ne pas, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer son monde. Et quand on commence à changer son monde, et que justement on le fait grossir son monde autour de soi, et que finalement il n'y a rien
qui est capable de nous arrêter, parce que comme je dis souvent, les seules limites que l'on a, c'est les seules limites que l'on se met, eh bien c'est là la finalité de tout. La finalité de tout, c'est finalement d'être capable de se dire que tout est à portée de notre main et que c'est à nous simplement de tendre notre main, et je pourrais même dire de tendre notre esprit pour pouvoir voir plus loin, lever la tête, relever la tête et se dire c'est loin, ben, j'en serai encore beaucoup plus heureux de l'atteindre parce que je serai beaucoup plus gratitude et fier de moi. Et du coup, tu avances, tu as de la gratitude pour tout ce que tu as déjà avancé, tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas continuer à avancer, et tu vis la vie totalement différemment parce que tu ne souffres plus ton environnement, en fait, tu le comprends, et après, tu es fier d'avancer, justement parce que c'est difficile pour beaucoup de personnes, tu es fier de toi de te dire que tu as dépassé tout ça et qu'il y a encore plein de choses que tu as à découvrir. Donc, c'est magnifique, c'est vraiment l'accomplissement total. Donc, tu es vraiment, 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 t'as touché le point, la corde sensible de cette formation. Et c'est vraiment extra aujourd'hui de faire cette interview parce que j'en ai fait beaucoup d'interviews jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme disait Marilyn, et elle l'a dit, que tu as beaucoup de potentiel, que tu es resté effectivement dans ton coin doucement à faire les choses doucement et sûrement. Et aujourd'hui, tu es en train d'éclore et tu as des couleurs. Quand les autres abeilles justement vont te découvrir à travers cette interview, je pense que ça va faire beaucoup d'étincelles et ça va être super parce que justement, les gens vont apprendre également à savoir qui tu es, à te connaître. Et là, tu vas pouvoir rayonner toutes les couleurs, mais également avec toutes les autres plantes, abeilles, qui vont également apprendre à savoir qui tu es. Et elles vont rayonner d'elles-mêmes en interaction avec toi, parce que pour l'instant, tu as observé un petit peu. Et là, maintenant, tu vas faire partie intégrante de tout cela parce que tu représente aujourd'hui bah, toute cette réussite et toutes ces valeurs et tout ce qu'on a voulu inculquer à travers tout cela. Donc, effectivement, je te remercie par rapport à tout cela. Et ce serait dommage de terminer sur la dernière question, donc tu seras à l'oublier, parce que c'est tellement, tellement beau là, tout ce qui vient de se passer, que je suis très, 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 très heureux. Donc, je vais te laisser simplement un dernier mot de la fin. Si tu as des remerciements à faire à des personnes à qui tu penses, je te laisse le mot de la fin et je te remercie pour tout ce que tu viens de nous. Merci beaucoup à toi. Mon mot de la fin, en fait, il reviendra à ma marraine, en fait. Il reviendra à Marilyn. Parce que c'est, je ne sais pas, en fait, je sais pas, c'est pas juste une marraine, quoi. C'est devenu, j'ai presque envie de dire, c'est une amie aujourd'hui. Parce que j'ai envie de parler, je contacte Marilyn, etc. Donc, mon mot de la fin, ce sera pour Marilyn. Merci à toi d'avoir cru en moi, de m'avoir accordé tout ce temps, d'avoir été pour moi, d'avoir, je ne sais pas, j'arrive pas trop à parler. Donc, ça sera pour Marie. Merci à toi d'avoir cru en moi. Et merci à toi, Vincent, pour cette formation que tu as mise au point avec Marie. Merci à vous. Merci. Après. Pourquoi les Belges, quand ils vont aux toilettes, ils ont toujours un fusil à la main pour tirer la chasse? Okay, d'accord. Ou tirer le canard WC, on dit aussi. Okay. Elle est mignonne. Bon, mais en plus, il ne faut pas trop en dire parce que les Belges, moi, je les adore et puis ils ont les super bacs aussi. Alors, bon, allez, on démarre.